17h49, il est l'heure de retrouver Robert Ménard et son invité ce soir, l'écrivain Calixte Beyala. Calixte Beyala, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes une des rares, je n'en ai pas trouvé 50, qui soutenait à la fois Gbagbo et Kadhafi. On va revenir sur les deux personnages, mais pour l'instant, votre copain, c'est mal parti à Gbagbo, là, pour Gbagbo. Ça ressemble à la fin, non? Vous n'avez pas le sentiment? D'abord, je pense que me résumer en disant « je suis la seule personne ». Une des rares. Non, excusez-moi, je peux m'exprimer. Oui, vous pouvez. Il y a une opposition, en réalité, entre les gens du Nord, aujourd'hui, qui sont ce qu'on appelle les coalisés, et le peuple du Sud. Les Nuits africaines soutiennent complètement Kadhafi. Tout le reste du peuple du monde, de l'Amérique latine, à moins que vous considérez que tous ces gens-là n'existent pas et que Calixte Beyala serait seul, soutiennent complètement Kadhafi. Attendez, là on parle juste de Gbagbo. Gbagbo, l'Union africaine, toute l'Afrique, même l'Afrique du Sud, lui demande de partir parce qu'il a triché aux élections. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Attendez, il me semble que tout le monde sur ce point est d'accord, au moins. Non, tout le monde n'est pas d'accord sur ce point-là. L'Union africaine n'a pas pris position contre M. Gbagbo. Ce n'est pas contre. D'ailleurs, ça c'est... Ils lui ont demandé de partir. Ben, si je ne peux pas m'exprimer, monsieur Ménard, ce n'est pas la peine. Allez-y. Je veux vous dire, il y a une politique africaine qui est très ambiguë. Quand ils disent, oui, monsieur Ouattara, vous avez été élu, ils n'ont pas dit, vous êtes président, attention. Allez vous faire reconnaître chez vous, c'est très africain. C'est-à-dire que l'Union africaine est en train de dire que le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire est au-dessus de tout. Il y a eu des milliers de manifestations dans toute l'Afrique pour soutenir Laurent Gbagbo. Donc, arrêtez de dire... Vous ne rêvez pas, là. Vous ne prenez pas vos désirs pour la réalité. Non, monsieur, c'est parce que vous ne suivez pas les informations. Ah, je croyais les suivre un tout petit peu. Non, vous ne les suivez pas parce que vous n'aurez pas dit vous êtes seul à soutenir Kadhafi, vous êtes seul à soutenir Gbagbo. C'est pas vrai. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis une panafricaniste. Ce que je dénonce, ce sont, entre autres, les invasions, les ingérences. Qui a envahi aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Personne. Ah, non, attendez, on viendra sur la Libye, sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que quelqu'un a envahi la Côte d'Ivoire? Absolument, monsieur. À ce jour-ci, il y a l'ONU-ci, avec ses soldats qui se battent en Côte d'Ivoire depuis des semaines, voire des mois. Ah, ils se battent en Côte d'Ivoire. Je croyais que c'était eux qui étaient victimes d'agressions de vos amis, de pro-Gbagbo. Pourquoi vous appelez mes amis? Je veux dire que c'est vos une amis, population... vous voulez que je vous non, suive? Non, mais attendez, monsieur. C'est vous une tenez population... Ami... Attendez, pardon, vous tenez... Vos amis, vous rigolez. Vous tenez un meeting de soutien en février dernier à Abidjan dans lequel vous dites « Alassane, qu'Alassane, je vous cite, qu'Alassane revienne la prochaine fois en 2015 car Gbagbo est installé. » Oui. Et vous dites toute l'Afrique soutient Gbagbo. C'est la mais vérité. Vous prenez vos rêves pour la réalité. Mais monsieur, si c'est pour s'engueuler, c'est pas la peine. Je me lève, je m'en vais. Si vous m'avez fait venir pour m'engueuler, pour crier, je trouve ça un peu absurde. On a très peu de temps. Je veux vous dire que Ouattara est un homme. Vous avez dit il y a deux mois. Monsieur Ouattara est un homme du FMI qu'on veut placer en Afrique avec tous les moyens. On lui a donné les moyens militaires. On a fait venir des mercenaires. Qui a voté pour lui? C'est les Occidentaux. Bah personne n'a voté pour lui justement. Personne n'a voté pour lui. Personne n'a voter pour lui. Sinon, il aurait accepté le recomptage des voix. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas recompter les voix? Les mêmes recomptages, les mêmes bulletins. L'ONU les a, n'est-ce pas? Mais tout le monde a vérifié les élections. Non, on n'a pas vérifié, sauf justement. Vos amis. Non, on n'a pas vérifié les élections, monsieur. On a refusé de vérifier les élections. Donc, ce n'est pas à mais moi parce que vous allez triché, dire... Mais parce qu'il a triché, monsieur Gbagbo. Ah non, attendez. Excusez-moi, vous avez l'art de tricher. Je vous dis quelque chose. La même chose s'est passée au Gabon. Au Gabon, la France a triché les élections en faisant reconnaître... Voir, vous avez mais c'est la même chose. C'est le même processus qui est en marche. On veut mettre en place des hommes qui sont là, non pour servir leur peuple, mais pour servir des intérêts autres. D'accord? Vous présentez comme un défenseur des droits de l'homme. Oui. Et je vous crois. Oui. Il n'y a aucune raison de ne pas vous croire. Oui. Vous avez vu les exactions dont sont responsables qui les proches de M. Gbagbo? Je ne vais vous citer pas. Je vais pas vous citer M. Ouattara. Je vais juste vous citer... Pourquoi vous ne me citerez pas M. Ouattara qui aussi commet les mêmes exactions? Je vais toute forme d'exaction est condamnable. Vous me laissez finir. Je vous cite Human Rights Watch, qui est une des plus sérieuses, vous le savez, comme moi, Organisation de défense des droits de l'homme, qui parle à propos de M. Gbagbo, je vous le cite, d'exécutions extrajudiciaires, d'actes de torture, de viols, de disparitions forcées. C'est pas rien quand même. Ça doit vous troubler quand tout même. Tout me trouble, monsieur, mais sauf que j'étais sur le terrain. Et vous n'avez rien vu de tout ça. Monsieur, vous n'avez rien vu de tout ça. Monsieur, ce que vous voyez là,
ne sont pas non plus des enfants de cœur. Ils viennent dans jamais les... dit ça, ils madame. Commettent des exactions. D'accord ? Je les forces parle... de je... Ouattara, mais il faut juger les deux. Vous n'allez pas juger l'un et ne pas juger l'autre. Les forces de Ouattara pénètrent dans les villes, tuent les gens, pillent. Il y a un rapport de l'Union africaine qui en parle et viole des femmes. Donc on ne peut pas, moi, je dénonce les ingérences, monsieur. Le reste ne m'intéresse pas. Je vous demande simplement une chose. Est-ce que vous condamnez les exactions, y compris quand elles sont le fait des proches de M. Gbagbo? Je condamne toutes les formes d'exactions, d'où qu'elles viennent. Donc vous les condamnez. Si j'en ai la preuve, d'où qu'elles viennent, je les condamne. Et vous n'avez pas la preuve de ce qu'a fait. Et M. Ouattara a commis énormément d'exactions. Et M. Gbagbo, je n'ai pas vu. Rien. Il y a pour que l'instant. Vous qui n'avez rien vu de M. Gbagbo. Vous m'amenez la preuve, monsieur, et je le toutes condamne. Les organisations défendent les droits de l'homme. Mais vous savez, l'ONU, c'est l'organisation. Ce sont des organisations qui sont des émanations de l'ONU, qui est aujourd'hui une organisation qui est complètement anti-Sud et qui accepte qu'on nous envahisse et qu'on nous bombarde. Hier, tous les membres du Conseil de sécurité ont voté une résolution demandant à M. Gbagbo de partir, pas que le Nord, y compris les pays du Sud qui sont dans le Conseil de sécurité. Comment vous réagissez ? Je veux réagir. Ça, c'est de la faute de l'Union africaine. Car ce que vous ignorez, c'est que le Conseil de sécurité... beaucoup de choses, non, mais je vais vous dire. Le Conseil de sécurité de l'Union africaine est financé par l'Union européenne. Donc, les fonctionnaires de ce Conseil de sécurité de l'Union africaine sont des fonctionnaires de l'Occident. Et ça, ce n'est même pas de ils la faute. Ils sont tous vendus aux Occidentaux parce qu'ils sont contre M. Gbagbo. Non, ils sont vendus parce qu'ils sont des fonctionnaires de l'Union dernière européenne. Dernière question avant, parce que je veux parler de la Libye aussi avec vous. Oui. Hier... des proches de M. Gbagbo, je m'excuse, mais c'est eux, ont tiré sur une des voitures qui accompagnait l'ambassadeur de France. Vous êtes française ? Oui. Est-ce que vous condamnez le fait qu'on tire sur les gens qui sont avec notre ambassadeur sur place ? Est-ce que vous le condamnez ? S'il y a eu tir... Il y a eu, enfin... Non, mais écoutez-moi, s'il y a quelqu'un qui a osé toucher... En l'occurrence... Excusez-moi, laissez-moi finir. Qui a osé toucher à l'ambassadeur de France... Dans n'importe quel pays, ou des gens qui l'accompagnaient, je condamne. Je n'étais même pas au courant de ça quand je suis venu ici. Mais donc effectivement, vous le condamnez. Non, attendez, si c'est la vérité, je le condamne, monsieur. Parce que de toutes les façons, toutes les violences n'entraînent que la violence. Et je vais dire que ça soit du côté des pro-Ouattara ou des pro-Gbagbo, j'appelle à la non-violence des deux côtés. Sur la Libye. Oui. Alors là, vous défendez, c'est pas que vous êtes seulement contre l'intervention, c'est que vous allez beaucoup plus loin. Vous soutenez M. Kadhafi. Vous voulez que je vous dise en termes de droits de l'homme ce que c'est M. Kadhafi ? Vous voulez que je vous réponde, monsieur ? Oui, je voudrais bien que vous me répondiez. Je vais vous répondre. Sur le problème des droits de l'homme... Non, mais monsieur, vous voulez que je vous rappelle les exactions ? Non, vous êtes quand même assez limité là-dessus. Je suis désolé. En 2008... Vous dites que vous êtes défenseur des droits de l'homme, donc je vous pose des questions sur les droits monsieur, de l'homme. Sur les droits de l'homme, je suis d'accord avec vous, il faut... que absolument les droits de l'homme soient respectés par M. Kadhafi. Par M. Kadhafi et par toute autre personne. Pendant 40 ans, qu'est-ce qu'il a fait, M. Kadhafi ? Pendant 40 ans, M. Kadhafi a quand même... C'est ce que je vous dis aussi. Vous voulez que je vous rappelle les massacres ? Non, monsieur. En 1996. Je suis désolé, les massacres aujourd'hui en Libye sont commis par les bombes qui tombent sur la Libye. Et pas par les troupes de M. Kadhafi. Mais je vais dire une chose, monsieur. Les troupes de M. Kadhafi dont vous parlez... Ce sont hier, des saints. Pas plus tard... Non, je n'ai pas dit ça non plus. Hier, pas plus tard qu'hier, Mme Hillary Clinton a reconnu que ces Al-Qaïda avaient infiltré les insurgés et commettaient des meurtres. D'accord ? Moi, je vais vous dire une chose. Je suis contre toutes les invasions. Je suis une panafricaniste. Donc, j'estime que les Africains... Je ne suis pas là pour condamner... Vous passez votre temps à condamner les Occidentaux. Vous pouvez aussi passer 10 secondes à condamner M. Kadhafi. Je ne condamne pas les Occidentaux puisque je suis... Non, monsieur, je suis aussi une occidentale. Attendez, vous avez demandé à l'Union africaine de rompre ses relations diplomatiques avec la France. Absolument, monsieur, parce que la France... Et ça, c'est pas condamner la France. Mais monsieur... C'est quoi ? Monsieur, c'est pas la France, c'est M. Sarkozy. Ah, l'Union... les relations diplomatiques, c'est pas avec la France. Mais M. Sarkozy ne représente plus la France, monsieur. Mais c'est ça. Il est en train de faire ce que la France n'a jamais fait. La France n'est pas un pays de guerriers. La France n'est pas un pays d'envahisseurs. La France est un pays
pays qui a toujours respecté les gens, les droits de l'homme. M. Sarkozy ne les respecte pas en envahissant les pays. Jamais on n'a été autant en guerre que depuis M. Sarkozy est là. Il y a une partie des Libyens. Il y a une partie des Libyens qui nous ont appelés. C'est pas parce qu'il y a trois personnes qui vous appellent. C'est ça, vous à Benghazi, c'est trois personnes. Oui, mais vous y allez tuer les gens. Vous pensez qu'on ne peut pas négocier? Et la palabre, ça sert à quoi, monsieur? On ne peut pas discuter. Pourquoi vous n'allez pas comme Dieudonné, votre ex-ami Dieudonné, à côté de M. Kadhafi sur place? Mais je ne suis pas quelqu'un qui est à côté de quelqu'un. Vous n'avez pas compris mon état d'esprit. Moi, je suis une panafricaniste qui demande qu'il y ait le respect mutuel. Je demande pourquoi vous n'allez pas soutenir M. Kadhafi sur place. Mais je ne veux pas soutenir des gens en tant qu'individu. Vous savez, vous vous attachez à Kadhafi, mais Kadhafi n'est qu'un individu qui peut mourir demain matin. Je continuerai sur le même principe à soutenir la liberté des peuples, la liberté des peuples à s'autogérer. Voilà. Calix Beyala, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous les deux. Interview à retrouver sur le site internet d'ITélé, itélé.fr.